Si tu cherches une recette super gourmande, facile et parfaite pour te régaler avec tes convives et te faire plaisir, alors regarde ça. C'est un filet mignon avec une sauce à la crème, moutarde et au vin blanc. Il y a beaucoup de goût et tu vas voir, je vais te donner toutes les astuces pour réaliser cette petite recette facilement. D'ailleurs, pour ne louper aucune gourmandise, n'oublie pas de t'abonner et si la recette te plaît, mets un petit like. Pour les ingrédients pour 6 personnes, il te faut un filet mignon, de la crème épaisse, des champignons, des oignons et de l'ail, de la moutarde et du vin blanc. Ne t'inquiète pas, tous les ingrédients sont dans la description. On va commencer par couper finement l'ail et les oignons après les avoir lavés et épluchés. J'ai pris 2 oignons rouges et 2 gousses d'ail et j'ai enlevé leurs germes. Quand c'est fait, on les mettra de côté. Ensuite, pareil pour les champignons, j'ai enlevé leurs pieds, je les coupe en deux et je fais de fines lamelles. On les mettra aussi de côté pour plus tard. Et devine quoi? Eh ben on va faire pareil pour le filet mignon, on va le couper en rondins, facilement. Ensuite, dans une poêle, je fais fondre du beurre et j'ajoute un petit filet d'huile d'olive. Quand c'est bien chaud, on va pouvoir saisir notre filet mignon de chaque côté et on va le saler et poivrer. Quand il est bien coloré, j'ajoute les oignons et l'ail et on les laisse un petit peu réduire. Quand c'est bon, on va pouvoir ajouter les champignons et là, on les laisse bien cuire. Quand tout est cuit et que l'eau des champignons s'est évaporée, on va pouvoir déglacer le tout au vin blanc. D'ailleurs, je te conseille un vin blanc sec et on va tout laisser réduire. Plus tard, on pourra ajouter la crème et la moutarde. Plus qu'à bien mélanger le tout et on laisse bien réduire. Et voilà, c'est prêt. Je l'ai servi avec un petit peu de riz et un filet d'huile d'olive. Allez, bon appétit et à bientôt.